Shalom Ouvracha Est-on tenu de payer les dettes de ses parents après leur mort Dans le traité de K'tuvot d'Aftzadikalef à Moudbet, la Gemara là-bas nous parle longuement au sujet des enfants qui après le décès de leur père, ils se sont partagés la Yerusha, L'héritage, et ils se sont rendus compte que parmi les éléments que leur père leur a laissés, il y avait là-bas différents actes de, de dette, euh, différents actes de sommes d'argent ou de terrain que le père avait emprunté, avait pris sur lui de les rembourser. Dans le Shulchan Aruch, Mishpat, Siman Koufzaïn et Siman Koufret, chapitre 107 et chapitre 108 de Choshen Mishpat. Là-bas, il y a une discussion par rapport aux décisionnaires, à savoir, est-ce que le fait que le Père a laissé, donc, une, une, une dette, un engagement, et qu'il est décédé sans pouvoir payer sa dette, si l'argent qu'il a laissé à ses enfants, ou le terrain qu'il a laissé à ses enfants, donne la possibilité de rembourser la dette, ou donne la possibilité de rendre un terrain qui est semblable à celui que le père avait pris, alors c'est une obligation aux enfants de rembourser la dette que leur père a laissée. Et la raison qui est rapportée là-bas dans le Shulkhanaur, c'est un par rapport à une obligation qu'on a de devoir rembourser les dettes que le père a laissées, et tout simplement parce que de la même manière, qu'on a reçu un héritage, donc dans l'héritage, il est inclus dedans la, les, les parts que le père a laissées, c'est-à-dire les, les, les bienfaits que l'héritage a apportés, et aussi de l'autre côté les engagements que l'héritage apporte avec. Par contre, dans le Shoukhanaur, le siman Koufzaïn, il dit là-bas d'une manière très claire que si le père n'a pas laissé d'argent, ou s'il a laissé une partie d'argent mais ça ne couvre pas toutes les dettes, donc dans le cas où il n'a pas laissé d'argent, on ne va pas obliger aux enfants, aux héritiers de sortir cette somme d'argent de leur poche. Et de la même manière, si il a laissé de l'argent mais ça ne couvre pas, alors ils devront donner la somme d'argent qu'ils ont sous la main et pas plus. Ils ne seront pas obligés de devoir venir et de compléter la somme d'argent que le père a laissé comme dette. Alors sur cela, il y a aussi des questions par rapport aux différents décisionnaires de dire est-ce que cette obligation elle est si on a hérité de ses parents, ou si on a hérité d'une autre personne qui a laissé des dettes. Il est clair que, d'après la plupart des décisionnaires, en partant dans l'idée de dire, tu as reçu de l'argent, tu as gagné de l'argent, tu te dois aussi de devoir rembourser l'argent que, que le proche, que la personne qui t'a fait cet héritage, euh, a, 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 avait un devoir par rapport aux différentes personnes avec qui il a emprunté. Il y a par contre, un élément en plus, si on reçoit un héritage du père et que le père a laissé des dettes, à savoir que si maintenant on va venir et on va respecter et on va payer la dette de son père, il se rajoute, mis à part le fait qu'on se doit, comme tout à fait, euh, comme, comme toute personne de moralité, de payer les dettes. Par rapport à l'héritage qu'il a reçu, il y a encore une, un autre élément qui se joue, c'est celui de la mitzvah de Kibboudavaim. Donc, si maintenant le père a laissé un héritage, alors dans ce cas-là, on payera avec l'argent de l'héritage. Dans le cas où il n'a pas laissé d'argent d'héritage, alors on n'a aucune obligation, les héritiers ne sont pas obligés de devoir payer. Par contre, d'après le Rajba, il nous dit que c'est quelque chose de très bien de ce devoir de payer de son argent, même si maintenant. Le père n'a pas laissé d'argent de devoir payer aussi de sa poche. Et le Khatam Sofer, il rajoute à cela et qui dit que c'est quelque chose de très très grand par rapport à la Shavuot. Donc là, c'est pas Mitzad à ha, mais c'est Mitzad du Phnim Mishoratadin, Midata Chassidut, c'est bien de ne pas laisser une dette que le père a laissée sur terre, même s'il n'a pas laissé d'argent, c'est bien de devoir le payer. Pour ne pas, comme dit le pire cavote, lover rachat veeno mechalem, que Dieu nous en préserve, qui sera appelé racha celui qui ne paye pas ses dettes, mais ça serait bien aussi de le devoir, de devoir les payer, même s'il n'a pas laissé d'argent.